Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu Tout-Puissant, guide nos délibérations, qu'elles soient justes et équitables, dans l'intérêt de toute la population de la MRC Maria Chapdelaine, Saint-Michel. Priez pour nous. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue aux gens qui nous écoutent via la télévision. Et je souhaite la bienvenue aussi aux gens qui sont dans la salle pour assister à nos délibérations. Alors, le projet d'ordre du jour, on va le lire parce qu'il y a quelques changements. On a en item 1, prière et ouverture de la réunion par M. le préfet. Alors, M. le préfet est absent ce soir, vous l'avez constaté. Il doit être à Québec là, pour une rencontre de la Fédération québécoise des municipalités demain matin. Alors, c'est moi qui ai la tâche d'animer cette rencontre en titre de préfet adjoint. En 2, on a l'adoption de l'ordre du jour. En 3, on a la lecture et adoption du procès-verbal. 3.1, dispense de la lecture du procès-verbal. En 3.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mars 2015. En 4, législation et administration. 4.1, la ratification des comptes. 4.2, désignation des conseillers de comité à différents comités. Là, on va voir 4.3.1. On va accepter l'avis préliminaire de la CPTAQ dans le dossier des îlots déstructurés. À 4.3.2, on a le projet de règlement numéro 15-375 visant à mettre en œuvre la décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec concernant le volet 1 de la demande à portée collective de la MRC Maria Chapdelaine. C'est dans le dossier des îlots déstructurés. 4.4, gestion du personnel. 4.4.1, personnel autorisé. Au niveau personnel, c'est autoriser l'embauche d'un technicien en inspection. 4.4.2, autoriser l'embauche d'un étudiant pour l'entretien de la véloroute. 4.5, approbation de quelques projets qui interpellent le Fonds de développement territorial des ressources. 4.6, convention de prêt avec le Centre civique de Dolbeau, Inc. 4.7, budget et action de la table migrative pour les prochains mois. 4.8, adoption du calendrier des conservations des archives. 4.9, financement de portes ouvertes sur le lac pour l'année 2015. 4.10, autoriser l'acquisition d'une unité de stockage pour le service des technologies de l'information regroupée. 4.11, appui aux mémoires de la Commission scolaire du pays des Bleuets à l'égard de l'éventuelle fusion des organismes scolaires du lac Saint-Jean. 4.12, engagement de la MRC à déposer son schéma de couverture de risque en incendie revisé avant le 31 décembre 2015. 4.13, besoin d'équilibration des rôles d'évaluation des trois municipalités, mandat confié à la firme les évaluations CEVIMEC-BTF. En 5, aménagement et développement, le point 5.1 est retiré de l'ordre du jour. 5.2, adoption du mémoire à présenter au Sommet économique régional le 18 juin prochain à Alma. 5.3, délégation de la gestion des terres publiques intramunicipales. Vous avez en 5.3.1, TPI, adoption de la planification des travaux d'intervention en milieu forestier pour 2015-2016 et autorisation de leur mise en œuvre. 5.3.2, TPI, demande de la MRC auprès de la CPTAQ concernant l'exploitation d'une gravière à Saint-Jean-d'Arc. 5.3.3, rapport d'évaluation pour une autorisation de location achat. 5.4, là on va mettre un point 1. Avis de conformité au SADR suite à des modifications aux instruments d'urbanisme pour la ville de Dolbeau. Et 5.4.2, avis de conformité au SADR suite à des modifications aux instruments d'urbanisme pour la ville de Normandin. 5.5, demande de la MRC auprès de la CPTAQ concernant l'aménagement d'un pont à la hauteur du cran serré sur la rivière Mistassini à Gérardville. 5.6, deux demandes de dérogation mineure en territoire non organisé. 5.7, cours d'eau du Père Chiquette. En 5.7.1, Père Chiquette, avis de motion pour le règlement. 5.7.2, toujours dans le même dossier, c'est le contrat AGMA. 5.7.3, toujours dans le même dossier, les contrats d'arpentage concernant le ruisseau Père Chiquette. Dans les autres sujets, il y a 6.1, corporation activité pêche, le premier versement de notre contribution. 6.2, accepter le rapport final du PAC rural 2007-2014. Et 6.3, le conseil en ligne. Alors, et vous avez en 7 les bordereaux de correspondance. Alors, c'est ce qui complète notre projet d'ordre du jour ce soir. Alors, ça va me prendre quelqu'un pour adopter l'ordre du jour. Alors, je vous en fais la proposition, M. Fortin. Alors, merci, M. Hébert. On sera rendu à 3.
Lecture et adoption du procès-verbal. En 3.1, ça va me prendre une dispense de lecture du procès-verbal. Merci, M. Théberge. 3.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mars 2015. Je vais faire proposition, Monsieur Fortin. Merci beaucoup, M. Côté. En 4, législation et administration. En 4.1, ratification des comptes. M. Quentin. Oui. La vérification des comptes est effectuée par la firme Côté-Biron-Quentin. Voici la liste des chèques émis. 1 069 793. La liste des chèques des paiements suggérés, MRC, une première liste de 165 442, une deuxième liste de 5 680 $, pour un total de 173 123. La liste des paiements suggérés, TPI, voirie et chemin, qui est seulement une liste de 156 363 $, pour un total de 156 263. Pour un grand total de 329 386 $. Enfin, la proposition, M. le préfet. Merci beaucoup, M. Quentin. Tout est conforme, vous n'avez rien noté d'anormal. Tout est bien correct. Alors, vous êtes une bonne firme d'inspecteurs. Merci beaucoup. On s'est rendu à 4.2. Désignation des conseillers de comté à divers comités. Alors, les élus de la table de la MRC sont délégués sur différents comités, soit local, régional, et à chaque année, on revise la liste des comités et on attribue des élus qui représentent la MRC. Alors, ce qu'on peut vous dire, sans vous faire la liste, la liste va être disponible sur le site Internet de la MRC Marie-Chapdelaine. Alors, vous pourrez en prendre connaissance. Tout ce que je peux vous mentionner, c'est qu'on est présent sur 31 comités. Alors, tous les élus sont délégués sur différents comités, mais on est présent sur 31 comités sur le territoire, qui est régional, local et différentes plateformes. Alors, on est beaucoup impliqués et ça nous permet d'être au parfum de ce qui se passe sur le territoire. Alors, vous aurez sur le site web la MRC, la liste et les représentants de chacun sur ces comités. Alors, ça va me prendre une proposition pour accepter la liste des comités. Je vais en faire la proposition, M. Fortin. Merci beaucoup, M. Simard. On serait rendu à 4.3.1. Accepter l'avis préliminaire de la CPTAQ dans le dossier des îlots déstructurés. Alors, Jacques, peut-être donner un peu d'informations là-dessus. Oui, rapidement, le terme îlot déstructuré vous revient assez régulièrement. C'est un projet que la MRC négocie depuis pratiquement 3 ans avec la Commission de protection du territoire agricole. On a obtenu, il y a une semaine, plus ou moins, une acceptation d'un avis préliminaire sur une entente pour laquelle vous avez eu l'occasion de prendre connaissance et d'analyser. Donc, ce soir, afin d'accélérer le processus, parce que, entre autres, il y a plus d'une vingtaine de personnes qui ont des projets actuellement qui retardent, on vous recommande d'accepter l'avis préliminaire tel que formulé par la CPTAQ. Alors, merci beaucoup, M. Potvin. Ça va me prendre une proposition pour accepter. Je vais faire la proposition, M. Fortin, de l'avis préliminaire. Merci beaucoup, M. Tremblay. Alors, 4.3.2, toujours dans le même dossier, le projet de règlement numéro 15-375 visant à mettre en œuvre la décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec concernant le volet 1 de la demande à portée collective de la MRC de Marie-Chapdelaine. Alors, M. Potvin. Tel que vous avez pu le constater lors de l'analyse de l'avis, la Commission exige que nous adoptions un règlement de contrôle intérimaire afin de prévoir différentes dispositions en attendant que nous ayons le temps de modifier le schéma d'aménagement. Donc, toujours dans le but d'accélérer, ce soir, on vous recommande d'adopter un avis de motion qui va précéder l'adoption du règlement. Demain, vous entendez, il a été prévu que le conseil de la MRC, à titre exceptionnel, lors d'une réunion spéciale, adopterait le règlement comme tel que libellé. Alors, merci, M. Potvin. Alors, vous avez enlevé mes mots de la bouche. Alors, ce qu'on accepte à 4.3.2, c'est l'avis de motion. Et demain, il y aura une convocation d'une assemblée spéciale pour adopter le règlement. Alors, ça va prendre proposition pour l'avis de motion. En fait, la proposition, M. le préfet. Merci beaucoup, M. Biron. 4.4, en gestion du personnel. 4.4.1, c'est autoriser l'embauche d'un technicien en inspection.
Alors, ça, c'est un processus qu'on a commencé. Vous avez vu dans les journaux que l'avis d'emploi a été publié. Alors, on a autour de 20 CV et ce soir, ça va nous prendre une résolution pour former le comité de sélection et procéder à l'évaluation et la sélection du candidat. Alors, ça va me prendre une proposition pour ça. J'en fais la proposition, M. le préfet adjoint. Merci beaucoup, M. Goulin. 4.4.2, toujours au niveau du personnel, autoriser l'embauche d'un étudiant ou une étudiante pour l'entretien de la véloroute. Alors, ça, c'est à toutes les années, depuis plusieurs années, on procède à l'embauche d'étudiants pour le circuit cyclable sur le territoire de la MRC. Alors, c'est comme les années passées. Alors, ça va me prendre une proposition pour qu'on soit en mesure de procéder. Je vais en faire la proposition, M. Fortin. Merci beaucoup, M. Daniel. On sera rendu à la 4.5, approbation de quelques projets qui interpellent le Fonds de développement territorial des ressources, le FDTR. Alors, il y a une... je vais retrouver mon document, si je m'en viens. Alors, il y a eu... ça, c'est le Fonds Impact. Alors, ça, c'est le Fonds Impact qui a été créé avec les redevances de Péribonka. Alors, à toutes les années, les municipalités déposent des projets selon certains critères. Et le comité s'est réuni. Il y avait une demande de 3 projets. Alors, il y en a 2 qui ont été acceptés. Il y a un projet qui est accepté à la municipalité de Saint-Amois-Didyme pour le lac Adjim et un d'accepté pour la municipalité de Saint-Stanislas pour le centre communautaire multifonctionnel. Alors, ces comités-là, le comité recommande qu'on accepte ces 2 projets-là. Alors, ça va me prendre une proposition pour accepter ces projets. Je vais en faire proposition, M. Portin. Merci beaucoup, M. Villeneuve. Ça est rendu à 4.6. La convention de prêt avec le Centre civique de Dolbo Inc. Alors, le Centre civique, il y avait eu un prêt d'accordé par la MRC pour les aider depuis quelques années. Et cette année, ils nous ont demandé de reporter la remise compte tenu qu'ils sont en restructuration. Alors, on est prêt à accepter que le montant soit transféré à l'année prochaine avec les intérêts en cours et tout. Alors, ça va me prendre une proposition là, pour accepter le report du paiement et des intérêts. Vous en faites la proposition, M. Fortin. Merci beaucoup, M. Perrault. On serait rendu à 4.7, budget et action de la table migrative pour les prochains mois. Alors, comme vous le savez, dans la saga des décisions gouvernementales, migration ont été coupées dans les aides financières. Alors, comme on les aide, ils nous ont demandé la permission d'utiliser le surplus accumulé. Alors, actuellement, ils ont un surplus d'accumulé autour de 70 000 $. Alors, ce qu'ils nous demandent, c'est d'utiliser environ 33 000 $ pour mener à bien les projets qui sont en cours. Et d'ici à la fin de l'année, pour 2016, on va regarder avec eux autres ce qu'on va être capable de faire. Alors, ça va me prendre une proposition pour accepter qu'il utilise une partie de le surplus pour terminer le projet. J'en fais la proposition, M. Fortin. Merci beaucoup, Mme Francine. On serait rendu à la 4.8, adoption du calendrier de conservation des archives. Alors, M. Marc. Oui, nous sommes implantés, M. le préfet adjoint, oui, oui. Nous sommes implantés un système de gestion de nos archives et parmi ce système-là, il y a un élément bien important qui est le calendrier de conservation qui détermine quand chaque document doit être mis aux archives ou détruit. Donc, on vous a déposé un calendrier qui est conforme, on pense, aux exigences gouvernementales et ça prend l'approbation du Conseil avant qu'il puisse être expédié aux Archives nationales du Québec pour une acceptation finale. Merci, M. Marc. Alors, ça va me prendre une proposition pour accepter. Je vous en fais la proposition, M. Fortin. Merci beaucoup, M. Hébert. On s'est rendu à 4.9, financement de Porte ouverte sur le lac pour l'année 2015. Alors, Porte ouverte sur le lac, la MRC s'était engagée pour un montant de 35 000 $ pour les aider. Alors, ce qu'on demande ce soir, c'est l'autorisation de verser le premier versement de 17 500 qui va lui permettre de fonctionner. Alors, ça va prendre une proposition. J'en fais la proposition, M. Fortin. Merci beaucoup, M. Théberge. 4.10, autoriser l'acquisition d'une unité de stockage SAN pour le service des technologies de l'information regroupée. Alors, comme vous le savez, la MRC Maria-Chapdelaine, la ville de Dolbeau-Mistassini et la ville de Normandin se partagent le service informatique. Alors, les coûts sont répartis à l'ensemble des 3 entités.
et ils doivent faire une acquisition là, d'une unité de stockage pour stocker la mémoire. Stocker des informations. Mon manque d'espace. Stocker des données supplémentaires. Alors, on demande à la MRC de Chapdelaine une contribution de 13 948,99 pour procéder à l'achat. Alors, ça va me prendre une proposition. Je vais faire proposition, M. Fortin. Sinon, si on n'accepte pas ça, on va être obligé de couper des données. Appui aux mémoires de la Commission scolaire du Pays des Bleuets à l'égard de l'éventuelle fusion des organismes scolaires du Lac-Saint-Jean. Alors, comme vous le savez, il y a un projet de regroupement des deux commissions scolaires du Lac-Saint-Jean et la Commission scolaire du Pays des Bleuets a préparé un mémoire au ministre pour lui dire qu'il était d'accord, mais par contre, il voulait conserver certaines choses. Alors, ils sont venus nous voir avec ça, puis ils nous demandent à la MRC d'appuyer ou d'accepter leur mémoire. Alors, je pense qu'on n'a pas de problème avec ça. Ce qu'ils revendiquent, entre autres, c'est de garder au moins une partie de l'administration de la future commission scolaire, là, que ce soit à Robertval ou sur le territoire de la MRC Malachapdelaine, de garder une certaine activité administrative. Alors, si vous êtes d'accord, ça va me prendre une proposition pour appuyer la commission scolaire et son mémoire. Je vais en faire une proposition, M. le préfet adjoint. Merci beaucoup. Bonne précision, M. Simard. 4.12. Engagement de la MRC à déposer son schéma de couverture de risque en incendie revisé avant le 31 décembre 2015. Alors, depuis un an, la MRC a commencé les travaux de revision de son schéma de couverture de risque en incendie. Alors, le schéma date d'une dizaine d'années et on doit le remettre à jour. Alors, les travaux sont commencés. Mais on nous demande de s'engager pour avoir accès à une subvention, parce qu'on a engagé des consultants pour faire le travail. Alors, en fait, afin d'être en mesure d'avoir la subvention, là, on nous demande un engagement de déposer son projet avant le 31 décembre. Alors, ça va me prendre une proposition pour qu'on s'engage en ce sens. On fait la proposition, M. le Portin. Merci beaucoup, M. Quentin. 4.13. Besoin en équilibration des rôles d'évaluation de trois municipalités. Le mandat confié à la firme Les Évaluations CVMEC BTF. Alors, M. Christian. Oui, vous savez que pour à des fins de taxation, l'évaluateur CVMEC BTF, suite à un appel d'offres, la MRC a procédé à l'adjudication l'évaluateur. Les évaluations CVMEC BTF. La MRC agit à titre d'OMRE ou d'organisme municipal responsable de l'évaluation. Et à l'intérieur de son contrôle et de la planification, on fait en sorte que des municipalités qui ont un besoin d'équilibration des rôles d'évaluation pour assurer une certaine équité. Et il y a une recommandation des municipalités, les trois municipalités de Saint-Stanislas, Notre-Dame-de-Lorette et Saint-Eugène ont été rencontrées et les membres de conseil sont d'accord avec la recommandation. Donc, les municipalités ont adressé à la MRC chacune une résolution qui autorise la MRC à titre d'OMRE à autoriser la MRC en étant OMRE à juger ou demander à l'évaluateur de procéder aux travaux d'équilibration des rôles de ces trois municipalités. Alors, merci, M. Bouchard. Alors, ça va me prendre une proposition là, pour accepter. J'en fais la proposition, M. le préfet adjoint. Merci beaucoup, M. Biron. Une bonne précision. En 5, aménagement et développement. 5.1 est retiré de l'ordre du jour. 5.2. Adoption du mémoire à présenter au Sommet économique régional le 18 juin prochain à Alma. Alors, comme vous le savez, la MRC a préparé son document de son mémoire pour le Sommet économique qui va être officiel, qui va être présenté le 18 juin. Alors, sans trop entrer dans les détails, ce qu'on peut dire, c'est que on s'est engagé, les maires ne présenteront pas de mémoire individuelle. Alors, on a convenu tous qu'il allait avoir un seul mémoire de déposer. C'est la MRC qui va le déposer au nom de toutes les municipalités de la MRC Maria-Chapdelaine. Et tout ce qui est présenté là-dedans fait consensus. On retrouve à peu près l'ensemble des demandes qu'on avait on avait mentionnées à M. Couillard lorsqu'on l'a rencontré quelques mois après son élection. Alors, qu'on parle d'infrastructure, qu'on parle de tourisme,
qu'on parle de développement économique, qu'on parle de réseau routier. Alors, sans faire la liste, mais on retrouve toutes ces choses-là là-dedans. Et certains dossiers aussi qu'on a mis dans le sommet sont au niveau régional. Alors, c'est pas juste des dossiers locaux, mais c'est des dossiers régionaux. Alors, on va appuyer le reste de la région dans ces dossiers-là aussi. Je ne sais pas, M. Marc, si j'oublie des choses. C'est un dossier qui est vraiment... c'est vraiment un mémoire qui est pour la MRC. On retrouve peut-être plusieurs dizaines de demandes historiques de la MRC. On en a identifié 8 ou 9 qui vont, où il va y avoir des fiches de projets qui vont être déposées. Ouais, associé. C'est vraiment spécifique. On a priorisé ces demandes-là. Mais c'est vraiment complexe comme dossier. Alors, c'est ce que M. Dubé dit. Je pense qu'on regroupe l'ensemble des demandes et ce qui est intéressant là-dedans, on présente vraiment un mémoire territorial. Alors, c'est pour l'ensemble des municipalités sur le territoire. Alors, ça, je pense que on peut être fier de dire qu'on a fait un consensus autour de la table et qu'on est d'accord collectivement. Alors, ça va me prendre une proposition pour accepter ce mémoire-là. J'en fais la proposition, monsieur le préfet. Merci beaucoup, monsieur Tremblay. 5.3, délégation de la gestion des terres publiques intramunicipales. 5.3.1, adoption de la planification des travaux d'intervention en milieu forestier pour 2015-2016 et autorisation de leur mise en œuvre. Monsieur Potvin. Oui, comme à chaque année, on vous a déposé, lors de la dernière rencontre, l'ensemble des travaux que nous devons réaliser pour nos opérations forestières sur TPI. Je vous résume brièvement, il y a des appels d'offres qui vont se faire pour des ressources techniques et professionnelles. Il y a des travaux non commerciaux. On entend par non commerciaux des travaux de préparation de terrain, de reboisement, ces choses-là. Il y a des travaux commerciaux, c'est le moment où on récolte du bois. À l'intérieur de ça, il y a l'abattage ainsi que le transport du bois et il y a des travaux de voirie qu'on doit réaliser pour accéder à la ressource. Donc, l'ensemble de ces travaux-là vous ont été soumis et on vous demande ce soir là, de les accepter. Alors, merci, M. Potvin. Ça va me prendre une proposition pour accepter. J'en fais la proposition, M. Fortin. Merci beaucoup, M. Goulet. 5.3.2, TPI, demande de la MRC auprès de la CPTAQ concernant l'exploitation d'une gravière à Sainte-Jeanne-d'Arc. M. Potvin. Oui, je vous rappelle que la MRC est mandataire des opérations tant de gestion foncière que d'exploitation de sable et gravier. À cette fin, nous recevons les demandes des individus qui veulent ouvrir une nouvelle sablière ou carrière. Donc, nous avons reçu une demande qui se situe en zone agricole, compte tenu qu'on doit, nous, faire les demandes tant au niveau de la CPTAQ que de l'obtention du CA de l'environnement. On vous demande ce soir de nous autoriser à déposer le document à la CPTAQ. Merci beaucoup, M. Potvin. Alors, ça va me prendre une proposition pour accepter la demande. J'en fais la proposition, M. Fortin. Merci beaucoup, M. Tremblay. 5.3.3, TPI, le rapport d'évaluation pour une autorisation de location-achat. M. Potvin. Donc, concernant une demande que nous avions reçue à des fins économiques, un promoteur voulait se construire une auberge en bordure de la rivière Péribonka. Il a déjà déposé son plan d'affaires et ainsi que tous les documents pertinents qui ont été recommandés par le comité multiresources et pour lequel vous avez accepté d'aller faire une évaluation de la valeur marchande. Donc, une firme a été mandatée et nous avons reçu le rapport d'évaluation. Donc, la valeur marchande qui sert autant pour la location pour les 5 premières années que pour la transaction éventuellement sur un maximum de 5 ans, est évaluée à 62 000 $. C'est un montant auquel s'ajouteront tous les autres frais. Ça prend de l'arpentage, ça prend des frais administratifs, ces choses-là. Donc, on vous recommande ce soir d'y aller avec un bail pour les premières années, le temps que le promoteur réalise son projet. Bail qui sera facturé à partir d'une valeur marchande de 62 000. Et, comme je mentionnais, si tout est réalisé, on pourra procéder par la suite à la transaction au montant mentionné. Alors, merci, M. Potvin, pour la précision. Alors, si vous êtes d'accord, ça me paraît une proposition pour autoriser cette location. Je vais faire proposition, M. Fortin. Merci beaucoup, M. Villeneuve. 5.4.1 et 5.4.2, on avait divisé. 5.4.1,
On a l'avis de conformité au SADR suite à des modifications aux instruments d'urbanisme pour la ville de Dolbeau-Mistassini. Monsieur Potvin. Donc, vous avez pu, en rencontre plénière, procéder à l'analyse de la demande. La ville de Dolbeau-Mistassini dépose une demande pour modifier son plan d'urbanisme ainsi que sa réglementation pour un bâtiment situé sur le boulevard de Quin. Donc, le règlement tel que libellé est apparu conforme lors de votre analyse, en apportant cependant un commentaire, à savoir que les logements qui pourraient être aménagés, il paraît que ce n'est pas de l'intention du promoteur actuellement d'y aménager, mais les logements seront aménagés dans un bâtiment utilisé principalement à des usages commerciaux et de services. Donc, le mot « principalement », de la façon qu'on l'a interprété, prévoit que c'est au moins 50 % du bâtiment qui sera utilisé à des fins commerciales et de services. Alors, merci, M. Potvin. Alors, ça va me prendre une proposition pour accepter ces modifications-là. Je vais en faire la proposition, M. le préfet. Merci beaucoup, M. Perrault. Alors, 5.4.2, avis de conformité au SADR suite à des modifications aux instruments d'urbanisme et cette fois-ci pour la ville de Normandin. Alors, M. Potvin. Donc, la ville de Normandin dépose plusieurs modifications à l'intérieur d'un document. On peut y lire qu'elle modifie un certain nombre de dispositions concernant les bâtiments accessoires. À l'intérieur du périmètre d'urbanisation et suite aux analyses qui ont été procédées, on ne retrouve pas de dispositions qui vont à l'encontre du schéma d'aménagement. Je tiens à vous rappeler que, par contre, on n'analyse pas ou on ne discute pas de l'aspect légalité d'un règlement municipal. Ça appartient à la municipalité de le faire vérifier par ses procureurs. Donc, pour le schéma d'aménagement, c'est un document qui est conforme. Alors, merci, M. Potvin, pour les précisions. Alors, ça va me prendre une proposition pour accepter ces modifications-là. J'en fais la proposition, M. Fortin. Merci beaucoup, Mme Chiasson. On serait rendu à 5.5. Demande de la MRC auprès de la CPTAQ concernant l'aménagement d'un pont à la hauteur du Cran Serré sur la rivière Mistassini à Gérardville. M. Potvin. On se rappelle que dans le cadre du projet de la 11e chute sur la rivière Mistassini, la MRC a vu l'opportunité de réaliser un ouvrage permettant de relier les deux rives de la rivière, c'est-à-dire notamment la communauté de Notre-Dame-de-Lorette et de Gérardville. Pour accéder à la rivière, il nous faut procéder à l'acquisition d'une emprise pour réaliser la route à partir du rang de la pointe. Donc, ce soir, on vous demande d'accepter la demande à la Commission de protection du territoire agricole pour les terrains pour lesquels nous avons obtenu là, un acte de vente là, de la part des propriétaires. Merci, M. Potvin. Alors, ça va me prendre une proposition pour procéder. Oui, je vais le faire. Puis aussi, M. Fortin, si vous permettez, c'est ce qui va permettre aussi là, de faire un lien entre Gérardville et Notre-Dame-de-Lorette, mais surtout pour notre lien intégrateur, là, oui, dans lequel on a mis beaucoup d'emphase et d'énergie. Oui. Alors, j'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Hébert, cette précision-là. 5.6, deux demandes de dérogation mineure en territoire non organisé. Alors, M. Potvin. Donc, le comité consultatif d'urbanisme a eu à procéder à l'analyse de trois demandes sur lesquelles vous avez un tableau qui représente là, les grandes lignes là, des discussions. Donc, pour le dossier de M. Michael Turcotte, qui demandait la possibilité d'empiéter dans la marge de recul afin de construire un bâtiment accessoire, le CCU recommande un avis favorable pour que vous acceptiez cette demande de dérogation mineure. Dans le deuxième dossier, Mme Fernande Gauthier, le dossier est reporté pour un complément d'information. Et dans le cas de M. Richard Théroux, la demande pour accueillir certaines installations, notamment reliées à l'évacuation des eaux usées dans la marge de recul, qui est de fin 5 mètres, est aussi recommandé, étant donné que la distance va être encore inférieure à celle aux exigences pour une installation septique. Merci beaucoup, M. Potvin. Alors, ça va me prendre une proposition pour accepter ces demandes-là. Je vais faire la proposition, M. Potvin. Merci beaucoup, M. Théberge. 5.7, cours d'eau du Père Chiquette. Alors, en 5.7.1, concernant le ruisseau du Père Chiquette, l'avis de motion pour le règlement.
Alors, M. Jacques. Oui, en fait, là, dans les documents qui vous ont été soumis, vous avez pu voir que pour le propriétaire ferme Gaston Morin, il nous demande de creuser ou d'aménager de l'entretien pour la section amont comme pour la section aval du cours d'eau Père-Chiquette. Pour ce faire, on doit adopter un règlement de compte, un règlement pour l'exécution des travaux. Ce soir, on fait la recommandation d'accepter l'avis de motion pour éventuellement accepter le règlement, à l'intérieur desquels vous avez toutes les dispositions qui seront, disons, au niveau de la facturation aux propriétaires, etc. Peut-être beaucoup. Une chose aussi, dans le cas de ce règlement-là, comme dans l'autre précédemment, c'est avec dispense de lecture, j'ai oublié de le mentionner. OK. Alors, ça va prendre proposition pour adapter l'avis de motion avec dispense de lecture. Bien faire proposition, M. Fortin. M. Côté, alors en 5.7.2, toujours dans le dossier du Père Chiquette, le contrat au groupe GMA. Oui, en fait, le groupe conseil, le GMA, a des ressources professionnelles pour le milieu agricole, compte tenu que c'est un dossier de creusage en milieu agricole ayant des dispositions particulières. Nous avons demandé des services professionnels, donc nous avons reçu une proposition du groupe GMA pour l'exécution des travaux au montant de 24 500 $ taxes incluses. La grosse partie du montant, c'est-à-dire un peu plus que la moitié, va à la surveillance. Donc, ce projet-là sera fait en deux phases, avec un go-no-go entre les deux. On commence par faire préparer les plans, et si après on poursuit dans le creusage ou l'entretien du cours d'eau, la deuxième phase deviendra automatique. Mais on accepte le montant global. Merci beaucoup, M. Potvin. Alors, ça va me prendre proposition pour accepter le contrat. Faire proposition, M. le préfet adjoint. Merci beaucoup, M. Simard. 5.7.3, toujours dans le dossier du Père Chiquette, le contrat d'arpentage. M. Potvin. Avant que l'ingénieur puisse établir les plans afin d'obtenir le CA du ministère de l'Environnement, il exige d'avoir des relevés d'arpentage dans notre approche de fournir principalement à nos fournisseurs locaux, d'aller à nos fournisseurs locaux. On vous recommande d'engager la firme Jean-François Gagnon, qui a déjà effectué des travaux pour nous dans ce secteur-là, pour un montant maximal de 2 500. Alors, merci, M. Potvin. Ça va me prendre proposition pour accepter. Proposition, M. Fortin. M. Quentin. Alors, on serait rendu à l'item 6, autre sujet. 6.1, on a la Corporation de l'activité pêche pour le versement de notre contribution à ce groupe-là. Alors, je pense qu'on n'a pas besoin de présentation au niveau de la Corporation. Le TLAP, ils font quand même un travail. Et nous, en tant que MRC, on s'est engagé pour un montant de 10 000 $ là, pour les aider dans leur mission. Alors, ça va me prendre une proposition pour autoriser le versement de notre contribution à cette corporation-là. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Tremblay. 6.2. Accepter le rapport final du PAC rural 2007-2014. Alors, le PAC rural est terminé et on avait une reddition de compte à faire là, pour fermer ce dossier-là. On sait qu'il y a le PAC rural 3 qui est démarré, mais il fallait fermer le PAC rural 2. Alors, ce soir, ça va me prendre une proposition pour accepter le rapport de reddition de compte final. Est-ce que, M. Bouchard, vous aviez des choses à rajouter là-dessus ou... Non, c'est beau. OK. Alors, en résumé, c'est ça que ça consiste d'accepter la reddition de compte finale. Je vous rappelle la proposition, M. le préfet. Merci beaucoup, M. Biron. Et 6.3, conseil en ligne. Alors, on a l'intention, la MRC, de prendre le virage du conseil en ligne afin de réduire la documentation et être plus efficace dans la gestion des documents, etc., etc. Et comme certaines municipalités l'ont fait, là, ont adopté ce système-là de conseil en ligne. Et ce soir, ça va nous prendre une résolution pour lancer le processus là, pour faire l'acquisition des systèmes et des systèmes informatiques et des équipements pour éventuellement passer à l'ère du conseil en ligne. Alors, M. Dubé, je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter là-dessus. Non, M. le préfet, tout est bien. Ça fait qu'on va revenir. Ce soir, ce qu'on veut, c'est une résolution pour lancer le processus d'achat. Et éventuellement, on aura une proposition pour accepter les soumissions. Alors, qui me fait la proposition? Ben, ils ont pris le meilleur plus technologique, ça fait que j'en fais la proposition. Alors, M. Goulet, qui était le premier à lever la main.
Merci beaucoup, M. Goulet. On serait rendu à l'item 7, à bordereau de correspondance. Alors, vous avez en 7.1 la résolution de la Ville de Normandin pour le mouvement « Touche pas ma région » et le 7.2, la réponse du ministère Faune et Parc, MFFP, suite à la résolution adoptée par la MRC en lien avec les chemins multi-usages. On serait rendu à l'item 8, période de questions. Alors, s'il y a des questions, c'est le temps. Au niveau du public, le public n'a pas de questions? C'est bien. Je veux bien croire que vous ne nous réciterez pas le mémoire que vous allez déposer, mais par ailleurs, est-ce que vous pourriez nous indiquer, nous donner quand même des éléments peut-être un peu plus concrets? On parle de fiches qui vont être pour 8 ou 9 projets spécifiques. Est-ce que là-dessus, il y a la question du pont Tracel? Est-ce que la question de la luminerie? Est-ce que vous pourriez nous donner quand même quelques lignes sur les différents projets que l'on entend mettre de l'avant? Oui. Alors, sans faire la lecture, parce que c'est quand même un document assez volumineux. Alors, ce qu'on va parler là-dedans, on va parler du réseau routier. Alors, le réseau routier, c'est la route 169, c'est la R206 qu'on appelle le lien transboréal, les chemins multiresources aussi qu'on a sur notre territoire. On va parler justement du réseau ferroviaire aussi, qui lie la région. Alors, on sait qu'il y a des problématiques. La CRE a travaillé beaucoup là-dessus et on veut vraiment... Puis ça, c'est un projet régional. Donc, on appuie la région dans cette demande-là. On a les... Là-dedans, oui, un pont ferroviaire est inclus dans la demande. Les autres infrastructures de transport, on parle de l'aéroport Dolbeau-Normandin-Saint-Félicien. On parle d'infrastructures de télécommunications, on parle du réseau cellulaire sur le territoire. On parle d'outils de développement. On parle de stimuler l'entrepreneuriat aussi. Alors, il y a tout un volet là-dessus. On parle du gaz naturel qu'on revendique sur notre territoire. On parle de la forêt. Vous savez, la forêt est un grand enjeu. Alors, on y consacre quand même un chapitre assez important. Là-dedans, on parle de transformation de matières ligneuses. Et ce dossier-là aussi est un dossier régional, la forêt. On parle d'énergie et d'aluminium. Alors, le dossier de l'aluminerie, de la centrale hydroélectrique sur la 11e chute, on en parle là-dedans. Il y a des fiches de projets qui vont être déposées. On parle de transformation. On parle aussi beaucoup d'agriculture et d'agroalimentaire, vous le savez, dans le PDAA, on a une vision au niveau de l'agriculture avec le dossier Agri-Relève qu'on a présenté en grande pompe il y a quelques mois et qui fait de plus en plus de discussions. Alors, on en parle là-dedans, on parle du secteur du bleuet, on parle de la pomme de terre, on parle de l'agriculture, on parle de la ferme de recherche de Normandin, on parle de laboratoire de laboratoire de transformation. On parle d'un fonds de développement en agriculture. Le tourisme et la culture, on a 2 pôles majeurs où ce qu'on veut développer d'infrastructures touristiques, Dolbeau-Mistassini et Normandin. Et là-dedans, on retrouve le projet, entre autres, de Normandin sur le tourisme. La véloroute des Bleuets au niveau touristique. On parle de destination Lac-Saint-Jean, route d'eau et de glace. On parle de la filière forestière, la filière agroalimentaire, les mines. Alors, le pôle de fourrure, alors je vous en ai dit pas mal, c'est ce qui va compléter, c'est ce qui... Est-ce que vous avez un chiffre à nous donner? Non. 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 Puis, si on a tout ce qu'il y a là-dedans, on va pouvoir... on a du poids. Alors, vous voyez, la liste d'épicerie est là, puis comme je vous dis, je suis très fier de voir que toutes les municipalités ont présenté un document, puis c'est l'ensemble des demandes territoire de la MRC Marie-Claude d'Adèle. On va vraiment démontrer qu'on est une MRC solidaire. Puis, si tu permets, Mario, comme M. Fortin l'a dit, c'est qu'au lieu que chacune des municipalités présente l'affaire, c'est qu'on est, on est unanime, puis on présente un projet territorial au complet. Je pense que ça prouve une belle unanimité autour de la table de la MRC Marie-Claude. On est très heureux de ça. Et on est prêt au niveau des dossiers. Tout ce qu'on a de demande là-dedans, si demain matin on avait des réponses positives, on est prêt. Nos dossiers sont prêts à être réalisés. Exactement. On va garder le suspense. Vous serez là le 18 de juin et vous vous additionnerez, M. Simard. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Monsieur Fortin, concernant le centre civique, c'est quel montant que la MRC avait accordé au centre civique? C'était une trentaine de mille qui avaient été prêtés et il y avait des intérêts qui allaient avec ça. Cette année, compte tenu un peu des tractations, des difficultés que traverse le centre civique, ils ont l'OBNL qui s'appelle le Centre Civique Inc. a demandé à la MRC par M. Boivin s'il était possible de différer un paiement. Alors, M. Boivin a transmis l'information au maire autour de la table et on a accepté. Donc, on lui donne un petit peu, c'est 10 000. Là. Ouais, c'est 10 000. Il était à 10 000 là, pour 2015. Alors, on lui a donné un peu d'oxygène en attendant. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il va y avoir une réunion, une assemblée générale spéciale demain à 19 h. Donc, on aura le conseil va avoir à livrer là, un peu sa position ou sa vision de l'avenir du centre civique. On est derrière l'OBNL et on n'est pas là pour fermer le centre civique, on est là pour trouver des solutions avec eux. Merci, M. Hébert. Je déborde un peu, mais est-ce que la même demande a été effectuée à Dolbeau aussi de retarder des paiements pour un prêt? Parce que je pense qu'il y avait eu un prêt, il y avait peut-être eu des dons aussi, ou c'est pas des... C'est pas tout à fait la même dynamique dans le cas de la MRC que de la Ville. La Ville a pris en charge certains items. Vous le savez, la dernière fois, un peu d'argent pour l'électricité, ces choses-là. Alors, on est en train de faire un peu le constat là, de combien, pourquoi. Pour vous dire vrai, on essaie peut-être de regarder un peu le même modèle qu'on avait fait du côté du club de golf, qui avait connu des difficultés. Alors, on essaie de prendre un peu la même formule. Et oui, il y a des argents qui sont dus, mais je vous rappellerai dans cette chose-là que lorsque les rénovations ont eu lieu de ces bâtiments-là, qui ont été assez coûteux, les subventions ne sont pas arrivées à la vitesse qu'aurait aimé le conseil, ou c'est-à-dire l'OBNL. Alors, pour remettre les argents à haut taux d'intérêt, ou en tout cas un taux assez élevé, c'est ça qui a causé un peu les difficultés. Vous savez aussi qu'avec l'électricité qui était fournie normalement par l'usine, que ça n'existe plus. C'est toute l'accumulation de ça, mais on sait que c'est un équipement de loisirs important. C'est un édifice patrimonial qui est au cœur des citoyens. Alors, on est là, nous autres, pour essayer de trouver des solutions. D'autres questions? C'est beau? Alors, la dernière chance pour les gens. Alors, c'est beau? Ah. Oui, M. Goulet. Je voudrais revenir sur la soirée de mercredi dernier à la salle du spectacle de Tolbeau Missassini Mariage Chapdelaine pour remercier tous les maires en particulier et leurs conjoints de s'être présentés à cette soirée du tapis rouge pour la première du film Mariage Chapdelaine sur les traces de Mariage Chapdelaine. Je pense qu'on a prouvé la MRC qu'on était capable de recevoir l'ONF, un réalisateur de renom qui est M. Jean-Claude Labrique. Puis je pense que ça a été un succès, puis j'en remercie encore pleinement la MRC. Merci, M. Boulet. Je pense que ça mérite une motion de félicitations parce que c'est une belle présentation. Alors, s'il n'y a pas d'autre chose, il me reste à remercier le public d'être là, les téléspectateurs, et à vous donner rendez-vous là, au mois de mai pour la prochaine rencontre. Ça va prendre une proposition pour la levée de l'Assemblée. Bonjour. Oh. Demain après-midi, l'Assemblée spéciale. Monsieur Daniel Tremblay, l'Assemblée. Merci. Alors, merci beaucoup tout le monde.